Jésus-Christ ne vient pas pour l'Église catholique. Non, Jésus-Christ ne vient pas pour les protestants. Non, Jésus ne vient pas pour les bouddhistes. Jésus ne vient pas pour les musulmans. Yes. Non, il vient pour un peuple humble. Yes. Pour un peuple qui dit la vérité. Yes. Amen. Pour un peuple qui est sage. Pour un peuple qui est saint. Pour un peuple qui est simple. Pour un peuple non dénominationnel. Amen. Pour un peuple qui aime Dieu de tout son cœur. Pour un peuple qui le cherche de tout son cœur. Jésus vient pour des personnes qui l'aiment de tout son cœur. Voilà pourquoi l'évangile de la Bible, ce n'est pas un évangile dénominationnel. Il n'y a pas une catégorie de religion ou de nom dans la Bible. Il n'y a que la caractéristique de ceux qui suivent Dieu aiment leurs ennemis. Ceux qui suivent le véritable Dieu aiment leurs ennemis et pardonnent ceux qui leur maudissent. La doctrine de la Bible consiste à dire « aime ton prochain comme à toi-même ». Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dans la religion du christianisme, de l'évangile, on ne va pas se venger de son ennemi, on va pardonner son ennemi. Amen. Mon frère, la solution pour la guerre dans ce monde, ce n'est pas qu'il y ait un nouveau politicien qui va emmener de l'argent en Afrique ou en Asie pour détruire la faim. Non, la vraie solution pour les politiciens se trouve dans la Bible. Aime ton prochain comme à toi-même. Amen. Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.